الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre le méfait de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut le garer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est les caractéristiques des personnes de foi. Ibad Allah, chacun sait que la garantie trouve parmi les gens un grand intérêt et un grand soin dans leurs achats, leurs ventes et leurs commerces en général. Les biens garantis ne sont pas dans la même situation que les biens qui ne sont pas garantis. Ibad Allah, ici le garant, ici était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est véridique. La yantiqu anil hawa. Et si ce qui était garanti était un paradis aussi vaste que la largeur du ciel et de la terre, dans laquelle aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Dans un hadith de Ubadah ibn Samit, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, Ibn Habban dans son Sahih, Al-Hakim dans son Mustadrak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: garantissez-moi de vous-même six choses et je vous garantirai le paradis. Ces six choses sont: dites la vérité quand vous parlez, tenez votre promesse, accomplissez quand on vous le confie, protégez vos parties intimes, baissez votre regard et retenez votre main. Serviteur de Dieu, quant à la première de ses qualités, c'est le noter dans la parole. Le croyant est véridique dans sa parole, ne sait pas mentir, et il continue à maintenir l'honnêteté dans sa vie jusqu'à ce que son honnêteté le conduise au paradis. Et dans le hadith, alaykum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wal birr yahdi ila al-jannah. Quant à la deuxième qualité, elle est l'accomplissement de la promesse. C'est une caractéristique des croyants et un signe des pieux, car ils ne savent pas rompre les promesses ni rompre les alliances. La loyauté est une caractéristique fondamentale de la structure de la société musulmane. Et quant à la troisième qualité, ada'ul amana, c'est l'une des plus grandes qualités morales dont Dieu loue le peuple et loue ceux qui l'accomplissent. Elle fait partie de la perfection de la foi et la beauté de son islam. Par l'honnêteté, serviteur de Dieu, la religion est préservée. Et l'honneur, l'argent, les corps, les âmes et la connaissance sont préservés. Quant à la quatrième qualité, protéger les parties intimes, c'est-à-dire de ne pas faire ce qui est interdit ou de tomber dans le mal. Dans cette préservation, il y a la préservation de la progéniture, la préservation des lignées, la pureté de la société, la sécurité contre les ravageurs et les maladies, et l'entrée et l'engagement à l'obéissance au Seigneur des mondes. La cinquième caractéristique de ces grandes qualités est de baisser le regard, c'est-à-dire de ne pas regarder ce qui est interdit. Quant à la sixième caractéristique, c'est de s'abstenir de nuire aux gens, de les attaquer ou de leur faire du mal. Voilà, chers frères et sœurs. Wa nasallallaha jalla wa ala. لكننا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين وأن يستعملنا في طاعته وأن يعيننا على تحقيق خصال الخير وتتميمها آمين. Prière et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.